bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir. Écoutez cette musique, c'est la musique de mon invité Zahira qui est avec moi autour de la table. Bonsoir Zahira, bienvenue dans le Grand Show. Je suis ravie de vous accueillir, de vous avoir avec moi pendant une demi-heure. Je suis ravie d'être là aussi. Vous étiez déjà venu nous voir la saison passée, on était moins de temps ensemble. Là vous allez voir, il va s'en passer des choses avec un Zap 2.0, un diaporama. On va jouer aussi ensemble dans cette émission. Mais on commence toujours avec l'actualité de notre invité. Ça ne change pas, c'est la règle pour commencer. Et quelle actualité ! Je sais que vous êtes très fière de ce premier album, Zahira. Premier regard, le public vous a découvert avec la Star Academy sur Énergie 12. On en reparlera évidemment. 13 titres sur cet album. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est votre portrait qui est commenté par un journaliste. D'accord. On regarde. Okay. Et puis nous, on en reparle évidemment après. Regardez. Zahira, le grand public l'a découvert ici. Sur le plateau de la saison 9 de la Star Academy en 2012. Et si la victoire lui a échappé, à quelques voix près, c'est bien son talent qui a été révélé. Loin de rester cantonné à un style, la chanteuse a décidé d'évoluer. Le public l'a retrouvée dans un univers plus R&B à la sortie de son titre « Up and Down ». Un univers qui lui réussit. Ses chansons sont reprises sur toutes les radios et font des milliers de vues sur Internet. Zahira s'est également essayée à la mini-série avec Myself Life, des courts-métrages dans lesquels on suit la chanteuse dans son quotidien. Salut à tous, c'est Zahira. Aujourd'hui, je viens récupérer ma sœur qui va me rendre visite à Paris. Elle est pas tellement jolie. Regardez-la, la mignonne. Je compte pas. Aujourd'hui, elle est de retour avec un album intitulé Premier Regard. Elle me regarde, elle me détaille. J'ai bien l'impression qu'elle veut prendre ma place. Une compilation qui promet déjà d'être un succès. Elle veut se la jouer femme fatale. Garde ta place, quoi que tu fasses, tu ne m'arrives pas à la cheville. Ouais, voilà, donc pour votre présentation, et on a entendu évidemment ce premier album, vous avez pris votre temps, Zahira, on l'a entendu aussi dans le sujet. Pourquoi c'était si important? C'est 3 ans pour le préparer? 3 ans, parce qu'il y a beaucoup de remises en question, on fait beaucoup de titres, et finalement on se dit, non, maman, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire plutôt ça, et on revient dessus quand même, donc voilà, ça a pris 3 ans. Mais en même temps, je trouve que ça a été, pour moi, ça a été intense. Je sais que l'attente pour ma team a été très longue, mais nous, on a enchaîné, donc ça a été un petit peu court aussi. Mais alors, à quel moment on se dit, bon, ça y est, il est prêt, j'arrête tout, maintenant, j'y touche plus? Enfin, à quel moment on a le déclic de se dire, ça y est, maintenant, je ne retravaille plus dessus, effectivement, on a la version finale? Sincèrement, quoi. Moi, c'est mon équipe qui m'a arrêtée. Ouais, sinon, vous serez oui, voilà, il fallait un moment que ça s'arrête, sinon, on veut toujours mieux. Donc, ils m'ont dit, là, je pense que c'est bon. Parce que vous êtes perfectionniste, comment vous avez travaillé? Vous avez tout supervisé aussi? Comment ça s'est passé? J'aime bien me mêler d'un peu tout. Dans la musique, dans l'image, dans les clips, dans les textes, dans les thématiques. J'aime bien, avoir mon nez un peu partout. Donc, je suis un petit peu difficile. Et est-ce qu'il y a un message que vous avez voulu faire passer au travers de cet album? Vous parlez de la femme. Il me semble que c'est proche d'un tempérament qui est le vôtre, celui de la femme battante, c'est ça? On peut complètement. Dire c'est un petit peu ça, le message. C'est qu'on peut avoir, des petits soucis dans la vie, peu importe, au boulot, en amour aussi. On connaît tout ça. Mon modèle qui est ma mère, mon modèle ultime et unique, m'a toujours appris qu'il fallait toujours se battre et essayer de voir le bon côté des choses. Et c'est un petit peu ce qui se passe et ce que je raconte dans l'album. Vous lui dédiez cet album à votre maman aussi? Je le dédie à mes parents, mais à toute mon équipe aussi, toute ma team. Enfin, il ne m'appartient plus aujourd'hui. Il vous manquait ce public? C'était important qu'il arrive cet album? Vous en parlez d'ailleurs, c'était tout de suite, vous pensez à eux. Il y avait une vraie attente, vous pensez, autour de cet album? Je pense qu'il y avait une vraie attente et j'en suis tous les jours un peu surprise. Mais j'ai la chance d'avoir une team qui est tout le temps là. Et c'est vrai que j'avais hâte de leur donner cet album-là parce que je sais qu'il était attendu. Et c'est un soulagement pour moi en même temps. Qu'il arrive. C'est quoi cette team? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qui nous regardent, comment ils se manifestent? C'est sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ils sont à fond? C'est sur les réseaux sociaux, c'est la team Zahira Tor. Ouais, donc on les salue. Voilà, mais on reviendra évidemment sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Mais donc ils sont très très présents. Voilà, très présents. C'est devenu une petite famille. Et pendant ces 3 ans, ils m'ont soutenue, ils m'ont suivie. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont encore là. Ils attendent la suite. Parce qu'ils en ont jamais assez. Ils sont gourmands, évidemment. Alors, dans l'idéal, dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de votre album, là, si il fallait le qualifier? Ça serait quoi le terme qui serait le plus flatteur pour vous? Ça va être très prétentieux, mais étant donné que j'ai pas travaillé toute seule sur cet album et qu'il y a aussi Mounir Marouf, j'aimerais qu'on puisse dire qu'il est réussi. Et pour l'instant, c'est le retour qu'on a. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? Alors, à part les fans, vous avez eu des retours de professionnels de la musique? Le retour est très bon pour l'instant.
Mmh. Donc, ça peut pas plaire à tout le monde. J'imagine bien qu'il va y avoir des critiques qui vont forcément arriver, et c'est normal. Mais chacun y va de sa petite préférée. Mmh. Et du coup, c'est un peu ça aussi, pour moi, un album réussi. Et vous avez une bonne diffusion en radio aussi. Et ça, je suis bien c'est soutenue, très ouais. important. Premier regard, votre premier album. On va passer maintenant à la prochaine séquence. C'est notre diaporama. Est-ce que vous connaissez le principe, Zéra? Non, dites-moi. Non? Bon, bah, je vous explique ça juste après le jingle. On y va. Alors, le principe, il est très simple. 10 secondes par image, un bon, un mauvais souvenir, ça fait forcément appel à votre carrière. Donc, forcément, vous allez comprendre pourquoi on vous les montre. C'est à vous de nous les commenter, ces D'accord. images. On y va, regarder la première. Ah, oh, ça me manque. Oui, c'est le sud. C'est le sud, c'est ma ville, hier les palmiers, et ça me manque. Regardez, c'est magnifique quand même. Ouais. Quoi. Vous y retournez ou pas un peu? Ben, j'essaye d'y aller le plus souvent possible. Très bon souvenir, la Star ma première télé, première aventure, donc très très bon souvenir. Si c'était à refaire, évidemment, je le referais. On fonce, aucun sûr. Regret sur cette aventure. Ah on savait qu'elle allait être contente quand on a dû lui montrer ça. Non, c'est une beauté, quand même, il faut le c'est dire. Vrai, je l'adore, il vient de sortir Magnifique. Une cover d'ailleurs, il faut absolument aller regarder sur YouTube partout, Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Premier regard, c'est mon premier single, donc très bon souvenir aussi. Mmh. On vous a souvent comparé à Beyoncé, hein. Évitons d'en parler. Ah bon, pardon. Oula, oulala. Oula. J'adore l'artiste et j'adore la femme aussi. Elle véhicule quelque chose de très positif. Ça va très vite. Ah bah là, alors, voilà. Qu'est-ce que je dis? Mais plus vite, rattrapez plus vite par les On nouvelles. Est rattrapé. magnifique performance des trois. Ouais, artiste incroyable de toute façon. J'aime beaucoup Léa Castel aussi. Très bonne chanteuse qui sort d'ailleurs son single très bientôt, je crois, fin mars. Donc il faut vraiment aller soutenir ça. Enfant abîmé. Donc des encouragements. J'aime les deux personnes, voilà, This is La Peste et Cynique. C'est des personnes qui ont contribué à la réussite entre guillemets de cet album et qui ont qui m'ont donné un peu de leur talent. Alors bon, très très bonne chose aussi. Je fais partie d'une association qui s'appelle La Voix des Femmes et le single est sorti d'ailleurs. Vous pouvez le trouver partout. Bon souvenir. Ça, c'est l'actualité. Et ça, c'est l'actualité. Dire, voilà. Donc voilà, mon premier album, un accomplissement pour moi et un petit bout de rêve que j'ai touché. Donc, je suis très, très fière. Et qui est disponible pour tous vos fans, pour tout votre public. Je reviens sur deux choses. La Star Academy, pourquoi c'était la Starac rapidement et pas The Voice ou Nouvelle Star? Pourquoi c'était ce télécrochet-là en particulier? Ben, parce que ça s'est fait comme ça. C'est arrivé à un moment où mes sœurs avaient envie que je fasse quelque chose. C'est arrivé au bon moment. Et j'ai eu la chance d'être prise, donc voilà pourquoi ça a été la Star Academy. Et aussi parce que bon, c'est une école et qu'on y apprend. Mais c'est ce qui vous correspondait le plus, des trois? Ou je vous crois... auriez pu faire un autre des deux, enfin, entre Nouvelle Star et The Voice? Alors, très sincèrement, on va dire que c'est parce que je l'ai faite, mais je pense que c'était vraiment, moi, pour moi, l'émission qui me convenait. Où j'ai pu... On a le temps de se dévoiler, c'est pas un one-shot, et on est là pour apprendre... Je ne sais pas si j'aurais pu vivre la même aventure sur The Voice et ou aller aussi loin. Et le fait que ce soit peut-être un peu moins exposé du coup sur Energy 12 par rapport à TF1, ça, c'était pas un problème? Non, parce que la preuve. Voilà, vous faites votre petit bout de chemin, évidemment. Et Beyoncé, je suis obligée de vous demander, vous dites non, pourquoi? Mais pourquoi ça vous embête quand on vous en parle? Parce que là, tous les gens qui nous regardent doivent se dire, mais pourquoi ça tique parce sur que, la photo de Beyoncé? Parce que ça m'embête pas, parce que c'est un super compliment. Mais en même temps, ça amène des critiques... et qui sont juste énervantes et qui me fatiguent en réalité. Mais c'est-à-dire des critiques contre vous? Des critiques contre moi, et du coup, on m'associe beaucoup à ça, on dit que je suis beaucoup dans le mimétisme, ou beaucoup dans... Et c'est un peu redondant et c'est un peu agaçant, donc voilà. Donc vous n'avez plus du tout envie qu'on fasse la comparaison, et donc vous ne répondez absolument pas à tous ces gens qui vous envoient ces messages, j'imagine. Non, mais il y a un son qui s'appelle « Continuer de parler » dans mon album, qui leur est dédié par contre. Dédicace. Voilà. Donc pour ce diapo, prochaine séquence, c'est l'interview, c'est le tête-à-tête. On va s'intéresser à vous, à votre vie. Go. Alors la première question, elle est simple, on s'intéresse un peu à votre intimité. Est-ce que depuis toute petite, vous aviez envie d'être chanteuse, de monter sur scène, d'être en studio? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'était... Enfin, je n'avais pas du tout envie de faire de la musique, encore moins chanter et être sur le devant de la scène. On m'y a un peu forcé. Par l'intermédiaire ma famille, d'un grand frère. Toujours, voilà. Il me semble. Ouais. Et, exactement. Et du coup, j'ai été piquée, comme on dit, et c'est devenu vraiment une vraie volonté de vouloir en faire mon métier, mais de base, pas du tout. Donc, c'était à quel âge que vous avez été c'était un peu... C'était 8-10 ans, aux alentours de 8-10 ans. D'accord, donc vous n'avez pas eu le temps d'imaginer un autre métier. Si je vous demande là, par exemple, quelle aurait pu être votre vie?
j'aurais voulu être maîtresse d'école, j'aurais voulu être une Barbie, enfin n'importe quoi, mais pas ça quoi. Et donc c'était difficile le fait d'avoir un grand frère comme ça qui pousse à écouter de la musique, qui vous faisait répéter. Il a été très très dur avec moi, ouais. Ouais. Très dur avec moi. Aujourd'hui je le remercie évidemment parce que il m'a beaucoup appris, mais c'était à mon âge c'était quand même difficile à vivre. C'est-à-dire pourquoi vous pouviez pas sortir comme les copines, c'est ça? Non, je pouvais pas sortir, j'avais pas de répit en fait. C'était l'école, la musique tout le temps. Et que de l'apprentissage tout le temps. Et vous lui avez pas dit à un moment donné stop, laisse-moi un peu, il y a pas eu une crise, vous êtes pas rebellée à un moment donné? À un moment, disant, je me suis rebellée, mais c'est quand même mon grand frère, donc il y a un certain respect et je peux pas lui parler comme si je parlais à un ami non plus. Donc il avait cette petite peur. Il vous a calmé, il vous a dit c'est moi qui décide? Pas trop, mais il avait les bons mots pour me dire finalement est-ce que c'est pas moi qui suis perdante si j'arrête de le faire. Donc il avait une bonne psychologie malgré tout. Et qu'est-ce que disaient les parents autour? Alors, le reste de la famille, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Le reste de la famille, ils voyaient ça plutôt d'un bon œil, mais en même temps, ils disaient que c'est un amusement. Elle n'en fera pas son métier, quoi. Elle s'amuse, et tant qu'elle s'amuse, c'est cool. Mais ils ne s'imaginaient pas tout ça. Et alors aujourd'hui, maintenant qu'il y a tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont fiers. Ils sont très, très fiers. Et ils sont au courant des difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut faire ce métier. Et d'être arrivée jusqu'au bout, et quand je dis jusqu'au bout, c'est pas que j'ai fini, mais d'avoir pu faire un album, c'est déjà une chance et un accomplissement, et ils sont fiers de moi. Voilà. Et est-ce que vous avez bossé? Vous avez fait des petits boulots à côté de la musique ou pas du tout? Vous n'avez finalement que ça? J'ai fait que ça toute ma vie. C'est une chance, c'est une chance. C'est une chance on se lève et on sait qu'on va faire de la musique, mais c'est un peu galère aussi. Donc il y a eu des études quand même ou Des petites études, mais... C'était la musique, la musique. Vite enfui ailleurs, ouais. Ah ouais, donc et là vos parents, ils n'ont pas pris peur, ils ne sont pas dit bon, sans études ou voilà, ça risque d'être compliqué. Mais en même temps, j'ai un très fort caractère et j'ai su les convaincre. Et puis, ils le voyaient bien que j'étais épanouie sur scène et que j'étais épanouie en faisant de la musique. Donc, ils voulaient mon bonheur. Donc, quel ado vous étiez avec un très fort caractère? Vous étiez rebelle? J'étais très rebelle, ouais. Ah ouais? Très bête, d'ailleurs, quand j'y repense, mais... Oui, j'étais très rebelle. C'est moi qui savais mieux que tout le monde. Je savais ce que j'allais faire de ma vie et j'allais m'en sortir. Et quand ils me disaient, mais t'as pas d'études, qu'est-ce que tu vas faire? Mais moi, je vais réussir, vous allez voir. Et ils y croyaient qu'à moitié quand même. Et l'échec, ça vous fait peur ou pas? Quand on reparle rapidement, mais de la Star Academy, bon, vous n'avez pas gagné. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Vous vous dites, si j'ai déjà gagné parce que j'ai participé, parce que j'ai eu une exposition médiatique et que je vais faire mon bout de chemin, ou... c'est chiant de pas gagner, quoi, voilà. Ah, moi, j'aime pas perdre, je vais pas mentir. Mais en même temps, c'est aussi une victoire parce que c'est comme ça qu'on apprend un peu plus vite, qu'on se force à se remettre en question et qu'on travaille plus. Et honnêtement, j'ai pas envie de tomber dans le cliché, mais c'est vrai que les choses me sont pas facilitées depuis que j'ai commencé dans la musique et j'ai dû me battre très, très fort. C'est quoi les choses pas facilitées? Il y a rien qui est facilité, c'est un métier qui est très difficile. Et pour signer en maison de disque, pour pouvoir faire une émission comme ça, il y a un milliard de personnes qui veulent le faire. Donc, c'est très, très dur. Il faut vraiment prouver qui on est. Il faut beaucoup travailler. Mmh. Donc, c'est pas aussi facile que l'on croit. Et il faut avoir une vraie force de caractère et le faire pour les bonnes raisons. Une vraie détermination aussi. Exactement. Et on voit que vous êtes extrêmement épanouie. Si vous avez suivi le Périscope, il y a des téléspectateurs qui nous ont demandé, vous êtes magnifique avec cette belle silhouette. Vous avez perdu, si je dis pas de bêtises, 17 kilos. C'est ça? 22 kilos. 22 kilos, j'avais pas encore les bons chiffres. Comment vous avez fait 22 kilos? C'est une incroyable transformation. Oui, j'ai pris beaucoup de poids à l'intérieur du château, je le répète à chaque fois, parce que on mangeait beaucoup trop. Ouais. mais après, ça s'est fait par beaucoup de travail et quelques petits secrets, mais que je ne vais pas révéler tout de suite. Pourquoi? C'est quoi comme secret? Vous détenez quoi? J'ai mes petits secrets à moi que je révélerai très, très prochainement. Et alors, c'était un choix personnel ou c'était un choix de carrière? C'était pourquoi cette envie de perdre du poids? Non, honnêtement, au début, j'ai perdu du poids parce que je suis sortie du château et que j'ai repris un rythme normal. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé. Et je pense que c'est aussi dû beaucoup au stress de la construction de l'album. Je m'installais à Paris, il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps. Et je pense que ça m'a stressé, ça a comprimé l'estomac. Voilà. Il est devenu un petit estomac, justement. Donc, vous dites que vous venez de vous installer à Paris. En préparant l'émission, j'ai vu « Je suis une jeune comme les autres ». Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes en coloc? Vous avez un petit appart simple sur Paris? C'est quoi votre quotidien aujourd'hui? Mon quotidien, c'est comme tout le monde. J'ai un petit appart qui est plutôt mignon. mais je veux dire sans prétention, évidemment. Et je fais mes courses, je paye mes factures, je travaille. Donc je suis comme tout le monde. Est-ce qu'il y a de la place pour l'amour dans tout ça? Oui. Oui? Vous êtes amoureuse?
Très amoureuse. Oh, et alors qui est l'heureuse élue? On le sait ça ou pas? Non. Ah, et alors c'est qui? Je ne le dirai pas. Mais non, mais ils vont être déçus, ceux qui nous regardent. C'est une belle histoire d'amour qui dure depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Ah oui, donc c'est sérieux, vous vivez ensemble? Oui. Ah ouais, vous êtes installée. C'est quelqu'un qui fait votre métier ou pas, qui est dans le milieu de la musique? Non, pas du tout, du tout. Rien à voir. Rien à voir. Bon, on sera déçus, alors ceux qui nous regardent n'en sauront pas plus, évidemment, et peut-être qu'ils pourront mener l'enquête. Ma dernière question, si demain la musique ça marche pas, qu'est-ce que vous faites, Zaira? Je vous le souhaite pas, évidemment. Ça veut dire quoi, ça marche pas? Vous n'atteignez pas vos objectifs, vous vous dites Moi, j'ai pas d'objectif de chiffres ou de plan de carrière précis. Et je pense que je ne peux pas connaître l'échec parce que moi, tout ce que je veux, c'est chanter et offrir ma musique aux gens. Donc, ça ne peut pas s'arrêter. Mais comment on fait pour se démarquer? Parce que vous l'avez dit, c'est difficile l'industrie du disque. Donc, ça peut arriver. Hein. Si ça ne marche pas, entre gros guillemets, ça ne va pas m'arrêter. Donc, ce n'est pas synonyme d'échec pour moi, vraiment. Je chanterai toujours. Ouais. Ce sera toujours mon métier. Ça ne peut pas s'arrêter. À moins que je perde ma voix ou que je décide de moi-même arrêter, mais personne ne va m'arrêter. C'est un beau message de détermination, femme battante, comme ce que vous voulez faire passer dans votre premier album, Premier Regard. C'est déjà le moment de marquer une courte page de pub. On se quitte un court instant, mais on se retrouve donc avec plein de choses après. Il y aura le Zap 2.0, il y aura la voix du grand show, il y aura la mine promo. Vous restez avec moi évidemment pour la suite et nous, on compte sur vous. À tout de suite. Restez connectés avec vos stars préférées. Suivez l'actu People en temps réel sur le site non-stop-people.com. Le grand show, c'est la deuxième partie. Je suis toujours avec Zaira. Ça va toujours? Toujours. Bon, on est bien dans cette émission. Je suis contente de vous avoir avec moi ce soir sur ce plateau. Et on va redémarrer cette deuxième partie avec notre jeu, notre minute promo, parce que vous êtes venu nous présenter votre premier album, Premier Regard. Et le but du jeu, c'est de vous laisser nous en parler en une minute. Sauf qu'on va corser un peu les choses et on va vous interdire des mots. D'accord. Sauf que vous en doutez bien, les mots... ils ne sont pas si simples que ça. Forcément, ils font appel à l'objet de votre promo. Regardez ces mots, donc vous les découvrez. Il y a premier, album et musique. Alors, il faut bien les mémoriser parce qu'on va vous les retirer. En revanche, vous, chez vous, chers téléspectateurs, vous les avez évidemment en bas de votre écran. Du coup, vous pouvez écouter Zaira et voir si elle va éviter les mots dans 5 minutes. On y va? Allez, top, au chronomètre, on est parti pour une minute. C'est bon, j'y vais? On y va. Alors, il faut absolument l'acheter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mes émotions, de mon vécu. Il y a de la musique live, c'est des musiciens qui jouent en live. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. J'y ai mis tout mon cœur. Honnêtement, j'en suis très, très fière. Il y a des photos dénudées. Non, c'est pas vrai. Mais achetez-le. Il y a des très belles photos dedans. J'ai eu la chance de faire cet album. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit... Allô, en régie, oui? Oui, album, il y en a un qui est passé. On continue. Ah, c'est bon, on continue. Donc voilà, il y a 13 titres. J'y raconte vraiment tout ce que j'ai vécu pendant 3 ans. Donc pour toutes les questions secrètes, amoureuses ou pas, il y a les réponses dedans. Et j'espère qu'il vous plaira. Allez, encore un peu de temps, on y va, on en profite. Voilà, il y a des belles photos pour les haters. Il y a un titre aussi qui s'appelle Continuer de parler. Et je vous fais un petit bisou en même temps. Et voilà. Non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Terminé, fin. Alors, on a entendu album, on valide, Aurélie? J'ai dit Alb. On en a eu un Alb. Qui fait partie de mon label, d'ailleurs. Bon, c'est la moitié d'un demi-point. On dira, mais bravo, c'était quand même pas mal. C'était une belle minute promo. La Voix du Grand Show est avec nous maintenant sur ce plateau. Bonsoir, La Voix. Bonsoir, vous êtes là? Bonsoir, c'est une voix Barry White. Ah ouais, c'est une voix grave, ça rigole pas. Je sais que vous avez des questions décalées pour Zaira, donc on va découvrir tout ça après le jingle. On va découvrir tout de suite la première question pour Zaira. Quelle est votre plus grande qualité? L'empathie. Ah, donc dans l'écoute des autres, vous intéressez à la vie des autres? Beaucoup, ouais. Ouais, belle qualité. Qu'est-ce que vous préférez chez vous? Mon caractère. Facile. Qu'est-ce que vous détestez chez vous? Mon caractère. Mais vous voulez rien nous dire? Qu'est-ce que je déteste chez vous? Dans quel pays vous rêveriez de partir? Je veux dire, non, j'ai pas de rêve particulier. Je suis bien là où je suis. Il n'y a pas de voyage en prévision, il n'y a pas de projet de voyage. Si, peut-être, mais il n'y a pas un pays. Il n'y a pas un pays que vous rêvez de visiter. Quelle est votre meilleure technique de drague?
Ben, j'en ai pas. Ben, c'est fini, hein, maintenant on la voit. Non, mais en plus, c'est terminé depuis 3 ans, donc voilà, c'est fini. Mais non, j'ai pas de technique de drague. Ou alors je fuis. Ah, ça marche. Racontez-nous votre pire gaffe. Racontez-nous votre pire gaffe. Ah non. Allez. Ma pire gaffe, c'est que j'étais en train de me moquer un peu de quelqu'un que j'avais au téléphone. Et j'étais avec une amie, mais j'avais pas à raccrocher. Ah, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas mal, ouais. Et genre... franchement, j'étais pas bien du tout. Bah oui, après, on est mal. Et bon, bah, cette personne ne m'a plus jamais rappelé. Oui, bah forcément, en même temps, on s'en doute un petit peu. D'ailleurs, hein, si tu m'entends, je suis désolée. Mais elle coule pas sur ce plateau. Prochaine question, la voix. Quelle est pour vous la plus belle preuve d'amitié que l'on puisse vous faire? Il n'y a pas vraiment de... C'est d'être tout le temps là, dans les bons et les mauvais moments, en fait. Mmh. Donc d'être présent, quoi. Qu'est-ce que vous comptez absolument faire avant la fin de votre vie? Des enfants. Mmh. Beau projet, évidemment, pas mal. Avec qui on vous confond régulièrement? Bah, si on dit bah, Beyoncé, là, on va la perdre. On me confond avec mes sœurs. Eh oui, on a vu d'ailleurs dans le reportage que c'était la reine de vos sœurs. Quel est votre plus grand regret? C'est de ne pas pouvoir voir mes parents tous les jours. Mmh. Ils sont dans le sud. Ouais. Quelle est votre plus grande phobie? Ma plus grande phobie... Allez, il y a bien quelque chose qui vous fait peur, là. Si je vous mets face à votre plus grande angoisse, c'est quoi? Bah, de me retrouver sans ma famille. Ouais. Il n'y a pas un truc qui vous fait hurler à la maison, je sais pas, les araignées, le vide, le truc? Non, je suis pas trop une peureuse. Mais oui, c'était plus ça, c'est d'être... Donc sentimentale. Ouais. Quelle est la chose la plus folle qu'on vous ait offerte? La chose la plus folle qu'on me... Non, je peux pas vous dire ça. Ah bah si. La voix non, je peux pas vous dire ça. C'est complètement censuré. Je ne peux non, pas mais vous ça. Pouvez pas nous dire ça. Parce non, que mais c'est je rigole, c'est pas vrai. Je vais dire, elle est forte. Qu'est-ce qu'on a bien pu lui offrir de si dingue? Non, quelle est la chose la plus folle qu'on vous ait offert? L'amour. Mm-hmm. Quelle est la pire excuse que vous avez sortie lorsque vous n'avez pas fait vos devoirs? Ben, que le prof avait menti et que c'était pas vrai, qu'il en avait après moi, mais qu'il n'y avait pas du tout de devoir à faire, que je comprenais pas du tout ce qui se passait, quoi. Ah oui, d'accord. Alors moi, j'étais plutôt... Ah oui, d'accord, je vois. Mauvaise foi et mauvaise compagnie, foi, quoi. Ouais. À fond, ça, à fond. C'est pas moi, d'accord. Plus c'est gros, plus ça passe. À quoi êtes-vous accro? Bah, la musique. À la musique et à ma famille, même si c'est redondant, mais c'est vrai que je suis... Tout le temps au téléphone avec ma famille. Et c'est vrai, je suis accro, en fait. Vous pouvez appeler vos parents combien de fois par jour? Tous les jours, ouais. Plusieurs fois par jour. Mais surtout, mes sœurs, c'est peut-être 12 heures de téléphone. On fait nos courses ensemble, on fait du shopping ensemble. Ah oui, d'accord. On est vraiment accro, quoi. Ah oui, d'accord. Ça va être sympa, les notes de téléphone. On paye pas. En illimité, quoi. Voilà. Une dernière question, la voix. Avec quel artiste vous aimeriez collaborer? D'habitude, j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai pas d'artiste vraiment précis, parce que j'en aime beaucoup. Mais en ce moment, j'aimerais beaucoup collaborer avec Esprit Noir. Voilà. Bah voilà, le message est passé. On vous remercie, la voix. On vous retrouvera plus tard, bonsoir, évidemment. Alexandra. Bonsoir, Zahira. Bonsoir. Et nous, on va continuer avec les réseaux sociaux. Alors, je pense que je dis pas de bêtises si je dis que vous êtes Facebook, Instagram, Twitter à mort, puisque accro du téléphone déjà, donc accro des réseaux sociaux. Alors nous, on a cherché un peu tout ce qu'on pouvait trouver sur vous. Sur Internet, on en a fait une compilation. Je vous propose qu'on regarde ça. Mm-hmm. Salut tout le monde, je suis en face sur Twitter grâce à Romain Genot. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais vous allez m'aider. Ouais, c'est vrai. J'espère que je vais recevoir... Ça, c'est vous qui avez posté ça sur Facebook? Ouais. Ah, votre truc efface un concert. Ouais, ça va peut-être arriver. Ah, ils étaient très bons d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez eu un petit mot pour Non-Stop People et oui. Passer sur la blue room. Ah bah. Je crois que ma plus grande fierté, c'est d'avoir toujours travaillé, de n'avoir jamais lâché, justement après la Star Academy, et d'avoir réussi à proposer un album. Aux personnes qui m'ont soutenue durant toute cette aventure. C'est ma plus grande fierté. Ah, des déçus, oh là mais là. Je l'ai vu quand même. Ma team. Je suis déjà trop loin de toi, mais pour petit coup.
Ouais, c'était des répétitions pour un plateau radio. Tu pensais que j'allais te plier, t'appeler au ah. Mais j'ai déjà tourné la page vers de nouveaux jours. When I grow up, you go down. Tu peux garder tes belles paroles toutes tes. Oh là là, c'était vraiment bien. J'ai hâte que ça passe. C'était sur le Move Live Show. Ça va passer bientôt. Demain à la radio d'ailleurs. Il y en a des choses, hein, dis donc, sur Internet. Hein. 3 ans, je n'aime pas le monde. Ouais, on voit que vous postez beaucoup. Je vais mourir pour elle. T'as eu quoi ? C'est ma beauté, ça. Oh, c'est trop mignon. Voilà, c'est ma petite nièce. Ah, c'est une petite image perso. On a vu beaucoup de tweets alors, d'encouragement, de gens qui vous aiment. Et on a eu 2 sur les anges. Mm. La télé-réalité, je crois qu'on en avait parlé toutes les deux. Si je dis pas de bêtises, c'est jamais hein, vous concernant. Non, c'est pas au programme. Pourquoi c'est Parce que j'en ressens pas vraiment l'envie ni le besoin. Après, je comprends que ça puisse être un tremplin pour certaines personnes. Et je crache pas forcément sur ce genre d'émission. Mm. Hein, au contraire, même. Mais là, moi, tout de suite, c'est pas... Donc, les anges, pour répondre à ceux qui ont tweeté, a priori, c'est pas un projet... Non, c'est pas au programme, non. ...qui pourrait vous plaire. Et est-ce que vous recevez beaucoup de courriers, comme ça, de votre public ? Ouais, qu'est-ce que vous recevez, de manière générale ? Des petits cadeaux, des petits mots d'encouragement. Ouais. Et voilà, mais je suis très, très, très proche d'eux, quand même. Hein. J'essaye vraiment de répondre à tous mes messages sur Twitter, Facebook, ils le savent, d'ailleurs. Mmh. Et on est... Très, très proche. Et les critiques, puisque vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites ? Vous bloquez ? Vous regardez pas ? Non, ou à l'inverse, vous répondez ? Parce que j'ai lu même des critiques limite racistes. Hein. Vous l'avez déjà dit en interview, ce qui est quand même assez... Ça, je bloque, par contre. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de mal avec le racisme, même si, malheureusement, c'est quelque chose qui existera toujours, et pour toutes les races, d'ailleurs. Hein, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est quelque chose qui me touche vraiment, vraiment, par contre. Mmh. Autant des critiques sur le physique, même si elles ne devraient pas exister, mais... Bon, ça fait partie du jeu, comme on dit, sur ma musique aussi. Mais des propos racistes, c'est quelque chose qui passe pas chez moi, pas Bien du tout. Bien sûr, c'est forcément pas acceptable. Ça, c'est évident. Et c'est évidemment le revers un peu des réseaux sociaux, parce qu'on y lit tout et n'importe quoi, forcément. Voilà donc pour cette séquence sur Internet. Il nous reste la dernière. Ça passe trop vite, cette émission. Ça s'appelle L'Histoire sans fin. Je commence une phrase, vous la finissez. D'accord. On y va ? Allez, c'est parti. Alors, on y va avec la première phrase. Vous aussi, évidemment, chez vous, vous pouvez essayer d'imaginer la fin de cette phrase. Première phrase, si je n'étais pas chanteuse, aujourd'hui, je serais... Maman. Le premier soir, je ne... Je ne fais pas ce qu'il ne faut pas faire. L'âge de la retraite, pour moi, ce sera quand ? Oh, je ne sais pas, mais pas, je ne vais pas en parler. En amour, je suis une vraie... Peste. Pour moi, la Star Academy sera toujours une belle aventure. Même pour beaucoup, beaucoup d'argent, jamais je n'accepterai de... Vendre mes proches. Quand je pense au Sud, la première image qui me vient en tête, c'est... Mes parents. Au lit, parfois, je... J'ai chaud, je me retourne, je me retourne, je dors. Pour que je participe à une télé-réalité, il faudrait que... Que j'ai plus grand-chose à faire, que j'ai plus de projets, et encore. En cours. Mes proches m'ont donné le petit nom de... Zazou. Ce que je n'ai jamais dit à mes parents, c'est... Bon, y a beaucoup de choses que je leur ai pas dit. Et je pense qu'il ne faut pas le dire. Ok, alors la next, la prochaine. La seule personne avec qui je pourrais vivre pour le restant de ma vie sur une île déserte, c'est... Mes sœurs. Si je devais chanter une dernière fois, ce serait avec Une dernière fois mmh. Bah, je vais dire Daniel. Quand je serai vieille, j'aimerais que l'on dise de moi que j'étais la plus
La plus charmante. Et enfin, j'ai adoré participer au grand show sur Non Stop People et je me sens super bien. Ouais, c'était un super moment. Merci beaucoup, Zahira, d'avoir été Merci. Avec moi dans cette émission. Donc, votre premier album, Premier Regard, qui est disponible. Plein de belles choses pour la suite. Et comme on dit, jamais 203. Donc, j'espère qu'on vous retrouvera évidemment sur ce plateau. Avec plaisir. La prochaine fois. Merci en tout cas d'avoir été là. Nous, on se retrouve juste après la pub pour l'info du jour. Surtout, on ne bouge pas tout de suite. Merci beaucoup, Zahira. Merci.